Voilà, il y a une réparation rapide, pas de dommages pour le pilote. De Villardet. Bah oui. Richard Villermet et son Yamaha. Non, qui ont les acquis, oh, bah, j'ai marqué de surplus. Et c'est un Stinger, non. 750, Kawasaki Stinger. Le numéro 754, Nicolas Roux du Moissagaz, un XT660 Yamaha. Le numéro 760, le pilote allemand Axel Anton Bros et son CBR600 Honda. Merci à la buvette de nous faire acheminer. Aprilia RSV4. R750 Honda. R769, Stéphane Perceval, RG Team, Yamaha R1. Et le R6. 752 est à l'arrivée. Voilà. Richard Villermet en 1.44.622, 11e place. Il porte les couleurs de Superbikes Moto à Vesoul. Nicolas Roux, pardon, à l'arrivée, juste une 58-598. Voilà, 770, Gilles Pagnot, au Moissagaz, et son Yamaha R1, aux couleurs de moto performance, et Tontarlier. 771, Frédéric Pernaud, Moissagaz, Honda. Oui, hein, Honda, oui, il est couvert. Il est couvert. Honda, CBR600. Je me demande pourquoi on peint CBR600 Honda en l'air. C'est pour t'enduire avec de l'air. C'est pour une faute de l'an 772 au départ. Christophe Fusillé, du Moissagaz, et son R6 Yamaha. Axel Anton Bros à l'arrivée en 1.36.381, Maxime Lhomme en 1.40.841 et Christophe Guillain, Pascal Marchal en 1.44.514. 773, Julien Charbon, CRF 450, Honda. 9, Michel Pielon, numéro de bas, en bas. Thomas Amier, de l'amicale en 2018, les Stéphane Perceval à l'arrivée en 1.35.834. 774, Tristan Richard du Moissagaz,
Triomphe 675 Daytona. Énorme temps pour Gilles Pagnot, mesdames et messieurs. 1:30, 158 pour Gilles Pagnot qui prend la tête. Voilà, 776, Marc Labbé du Racing Motoclub 25 et son GSXR Suzuki. Impressionnant ce temps de Gilles Pagnot qui passe devant Mathieu Roquet. Qui règle la troisième place, le Romain Léa Savoyen. Kevin Duc n'est donc en chocolat. Eh oui. 787, c'est ça? Non. C'est ça. Eddie Blaise du Motoclub Isère et un R1. Nommé en 1:36, 492. 781, Maxime Vicaire. Et sa BMW S1000 RR. Christophe Fusillé est arrivé en 1:44, 030. Le numéro 783. Olivier Vicky, le motocycliste du Doubs et sa BMW S1000 RR.